Hey yo les gens, c'est Draxurvy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite de la nouvelle saison. Donc on va pas perdre de temps, on va lancer directement le petit système, piste 1 Fortnite. Donc voilà le nouveau fond, connexion, et voyons voir ce que ça nous déroule. Donc, intro de la nouvelle saison. Franchement, on va déjà voir un peu au niveau des skins, des machins, donc on va éviter de prendre le pass tout de suite. On va déjà regarder un peu et puis tout ça. Donc bah, c'est reparti pour une nouvelle saison quoi. Donc nous avons le personnage Eren Jaik qui est des attaques titans, donc qui est clairement le personnage caché donc de la saison, donc le personnage voilà, qui a l'air plutôt sympa. Nous avons toujours des récompenses secondaires. On va déjà regarder un peu les skins. Donc nous avons un skin un peu rock'n'roll, squelette rock'n'roll. Alors moi je l'appelais la saison méga, parce que déjà méca ou méga, qui est clairement parce que quand on arrive sur l'introduction, c'est Fortnite Mega. Donc pour moi ça sera Fortnite Mega pour cette saison. Donc plutôt sympa. Donc on a un skin comme ça, donc avec plusieurs personnalisations, plutôt sympa je trouve. Donc on peut même modifier sa tête. Ah non, c'est même pas sa tête, c'est un planeur ça. Ne sort jamais. C'est quoi ça, c'est un planeur? Je sais pas, on sait pas. Nous avons un autre skin féminin cette fois-ci qui est plutôt sympa. Alors là, clairement, ça fait très cyberpunk sur cette saison, j'ai l'impression. Ça, on dirait un peu cyberpunk. Donc là, alors c'est pareil. Alors ceci n'est pas un serpent, un lézard, c'est un dragon du Komodo. Parce que je vois beaucoup de personnes qui, sur TikTok et tout ça, disaient « Ouais, c'est un serpent, machin... » pas un serpent, mais un lézard.
Alors oui, ça fait partie de la famille des lézards, mais c'est un dragon du Komodo. Surtout que là, c'est très futuriste, très porté sur le style japonais et puis tout ça. Donc c'est un dragon du Komodo. Et vu le style du lézard, clairement, du dragon du Komodo, eh ben ouais, c'est clairement un dragon. Donc voilà. Donc en plus de ça, avec un autre style un peu chef de resto. Donc clairement plutôt sympa, je trouve. Nous avons Mystica. Ouais, c'est clairement porté sur la mythologique japonaise. C'est clairement un démon pour ceux. Alors, faudrait fouiller un peu tout ça, mais normalement c'est un démon, un truc comme ça, Mystica. Alors bon, bien sûr, faudrait regarder un peu sur la trilogie, sur les trucs un peu japonais et puis tout ça. Donc encore un autre truc, et donc là nous avons donc lui qui est Feral, donc un plus un ninja. On a encore un autre skin ninja. Ah, mais alors je veux pas être méchant, mais il ressemble plus à notre nomade. Clairement la tenue ressemble beaucoup à nomade. Si j'arrive à avoir une photo, je la mettrai côte à côte entre l'image qu'on vient d'avoir et l'image voilà. Nous avons encore un skin féminin, un skin lapin. Clairement style lapin, ok, plutôt sympa. Nous avons, d'accord, un genre de renard, de chef de meute, ouais, d'accord. Le chaos est un, ouais, d'accord. On dirait un peu un renard ou même une louve, je sais pas. Là, nous avons encore un skin. Donc là, clairement, c'est clairement le dernier skin. Donc un peu ninja, un peu style. Ouais, c'est très style japonais. Et le dernier. Ah non, il y a encore un niveau. Clairement très sympa, très très sympa. Donc là, c'est clairement. En plus de ça, il y a l'air d'avoir des ailes. Waouh, très stylé les ailes en plus. Très très stylé. Donc après, nous avons les bonus. Hein, donc bah, les skins qui sont donc modifiables. Très stylé même, j'ai envie de dire. On va juste regarder. Ah ouais, très beau skin. Alors bien sûr, bon, pour le moment, on ne sait pas les skins de couleur. Et bien sûr. Donc notre cher skin secret qui est pas tellement secret, on va dire. Et là, j'ai l'impression que ça sera d'une traite. Donc voilà, wali walou. Donc on va dire regarder un peu. Alors c'est marrant parce que comme vous le voyez, j'ai encore mes j'ai mes mon défi de la saison dernière, comme vous le voyez. Donc éliminer des joueurs. Alors, je sais pas comment ça se fait, mais voilà. Donc, découvrir un lieu, parcourir en distance, machin, en sprintant. Ouais, bon, bah après, c'est surtout. Donc, on a donc les nouveaux lieux qui a clairement changé, clairement. On dirait même que ça s'est agrandi, là, de ce côté. De ce côté, ça sera agrandi. Ça, c'est plutôt cool. Donc on va aller visiter bien sûr les lieux et nous avons des quêtes chasse au trésor, fouiller des coffres, obtenir des munitions. Ouais, bon, après c'est des quêtes basiques hein, bien sûr au début et après ça va s'augmenter. Mais c'est vrai que alors oui, on va voir un peu ce qui a modifié. Donc il y a toujours la citadelle. Il y a toujours les grottes, les machins, mais donc il y a 1 2 3 4 lieux de nouveau, donc avec une grosse ville. Donc j'imagine que c'est la ville qu'on voit pendant le trailer, qui est clairement qui a l'air vraiment stylé. Donc on va spawn plus au bout là, si on peut aller dès le premier temps et tout. Je pensais qu'il y aurait des nouveaux lieux un peu machin. Alors est-ce que bien sûr, donc on a des nouveaux renforts.
On a des nouveaux renforts, il y en a qui ont été supprimés, mais j'imagine. Et nous avons pour le moment 12 personnages qui sont planqués un peu tout partout. Donc j'imagine qu'il y en a toujours un peu comme à la Citadelle. Alors ça serait marrant si on retrouve l'autre pour le moment. Et alors attendez, parce que bah tout compte fait vu que... Ouais, ça c'est pour le pass de combat. Donc bah... Ah, c'est 950. Bon bah pour le moment je vais pas me le prendre. De toute façon je vais avancer. Je vais avancer petit à petit. Puis de toute façon je pourrais me le prendre. Est-ce qu'il y a des V-Bucks gratos là? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de V-Bucks gratos pour le moment. Donc 950. Bon, de toute façon dimanche. Dimanche je pourrais me le prendre. Donc on va déjà commencer par le basique. Hein. De toute façon on va pas se fouler. Donc clairement donc c'est parti. Donc bah il n'y a plus de fond pour le moment. Donc il n'y a plus de fond. C'est un peu dommage. Mais bon. Ah oui, mais je suis con, moi j'ai pris un truc hier avec des V-Bucks. Bon, pas tant pis. Donc on va aller déjà tenter un peu, on va déjà aller voir un peu la nouvelle zone, hein. Bien sûr, je veux pas tenter le top 1 ou quoi que ce soit. Si j'arrive à faire top 1 avec vous, je ferai top 1 avec vous, mais normalement, je suis pas assez bien pour un top 1 aujourd'hui. Parce que voilà. Quand c'est les nouvelles saisons, j'aime bien avant tout regarder les nouvelles zones, les machins, et les jours d'après avoir top 1. Assez rapidement, parce que les 15 jours avant, les 15 jours, on peut avoir les planeurs. Le planeur de la saison. Donc ouais, c'était 13h30. L'ouverture des serveurs, parce que bah, tout compte fait, moi j'ai pas pu aller avant 13h30. Donc pour ceux qui ont pu aller avant, ben tant mieux, mais moi j'ai pas pu aller avant 13h30, qui est clairement bizarre. Ou peut-être que tout le monde a pris le pass de combat niveau 100, et puis. Et bon, de toute façon, comme dirait l'autre, je peux toujours me le prendre un peu plus tard. J'ai l'impression qu'il n'y a pas l'air d'avoir. Hein? Gagner des jeux d'arcade. On va aller au bout, on va aller tout au fond. Ça sert à rien d'aller dans la grande ville. Puis les missions, bah, je les ferai plus tard, moi je les ferai de mon côté. Infliger des dégâts des adversaires avec un arme, comme ça. Éliminer des adversaires, faire des parties 6 sur 0, activer des renforts. C'est voilà, c'est basique. Ah ouais, c'est clairement, ça a clairement modifié le coin. C'est un peu plus vert, on va dire. Plus, ouais, c'est très style japonais. C'est très 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 style japonais. Alors vu que c'est la première, c'est ma première game. Normalement, c'est des bots. Normalement, j'en suis pas sûr, mais. Ça a été souvent comme ça au début. Ça a clairement modifié l'environnement. C'est très stylé en tout cas. La ville est là-bas. Il y a. C'est quoi qu'il y a sur le toit du truc là-haut? Il y a toujours les points de machin là. Ils sont un peu à droite à gauche. Ah ouais, c'est très très japonais. C'est même très beau, je. Ah ouais.
C'est très bien fait. Les portes comme ça, c'est... En plus, on est dans la zone. Il y a toujours des drones. C'est clairement des bêtes. Hein. Fouille un peu, hein, écoutez. Bon, c'est très futuriste, hein, c'est même très beau, je trouve. Le style de décor est très beau. Deuxième zone, si on peut y aller. En tout cas, déjà, première zone, déjà sympa, très sympa. Joker. Ah bah tiens, c'est... la map elle a l'air stylée, elle a l'air sublime déjà. Moi je suis clairement en full bad pour ce qu'ils font quand même. Certes il y a des bugs machin, moi je me retrouve souvent avec des bugs parce que Fortnite n'arrive pas à gérer leur truc,
Et c'est vrai. Ah d'accord, c'est. Je pense que ça doit être un coffre ou un truc comme ça. Ah mais. Surtout je vole. Toujours en vie. C'est peut-être les seuls derniers de l'Institut Onirique et putain, c'est quoi qui tire là? Je suis très concentré, hein. Si, y aura des moments où je vais faire un vide, je suis désolé, mais... Quelqu'un vient de me tirer dessus ou pas? C'est chelou ce bruit. Mais par contre, il y a des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça, là, en bas? C'est très stylé, hein. C'est très très beau. Il n'y a pas à dire. Ok. Ok, donc ça se recharge. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste pour le plaisir. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire en fait. Ah d'accord, faut tuer quelqu'un pour ouvrir. Genre le gars a campé le coin juste pour le plaisir. Bah je suis désolé mais moi j'appelle ça de la triche. Moi le gars voilà pas, y a pas de but, le gars s'est juste dit, bah tiens, je campais le coin. Surtout que je suis arrivé, je me suis demandé ce qui se passait. Donc, ouais, y a pas mal de nouveaux trucs un peu à droite à gauche, c'est plutôt sympa. Donc, 5 étoiles. Ouais, clairement, j'ai encore mes défis de la saison dernière, c'est bizarre. Donc ouais. Il me reste 100 à faire. Même 110. Il m'en reste 10, il m'en reste 20 kills à faire presque. C'est quoi ça, fouiller des coffres? Ah oui, d'accord, oui. Le truc c'est que là par exemple, il y a une zone qui est grise. Bah, je suis sûr qu'il va falloir y aller. Là, il y a un bateau. Ah, c'est des zones. Bah écoutez, pour le coup, on va refaire une game ensemble. Donc vous aurez le droit à deux, une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude. Mais c'est vrai que là, ça me donne très envie de jouer. Donc voilà. Donc voilà, donc on va aller faire ça. Bon, sinon, bah, si je vois que je peux pas me le prendre avant un moment, je me le prendrai vraiment au dernier moment quand j'aurai mis le niveau
Niveau 100 ou 200. Donc on va voir. Alors est-ce que c'est une, ça serait pas une saison un peu comme dirait l'autre coupée, une saison qui ne fait pas partie des saisons habituelles. Donc parce que clairement on se retrouve bonsoir, bonjour Macaron pour si tu regardes, on aura la vidéo. Donc on va voir. Mais moi je suis plutôt parti sur ça, hein, clairement. En tout cas, la zone là n'a pas changé. Donc comme on le voit, je pense qu'il y aura 2-3 trucs qui vont arriver encore en dernier. Parce que comme on le voit, il y a des morceaux de zone qui sont un peu à droite à gauche de notre du coin. Donc ça va être chaud, il va y avoir du monde. Mais ouais, je pense qu'il va y avoir encore des trucs qui vont arriver. Peut-être que ça va prendre sur ces coins-là. Ouais, clairement, il y a un bateau. Il y en a qui sont déjà niveau 294, 341. Je sais pas, est-ce que vous appréciez au moins le jeu quand vous faites ça, les gars? Parce que bon, c'est vrai que de prendre le palier niveau 100, c'est bien. Mais que vous allez jusqu'à le prendre, jusqu'au niveau 200. Même 300, niveau 300, vous avez usé combien de V-Bucks? Pour trouver la porte. Alors là, bon, bah voilà, on s'est auto-tué tous les deux. Alors là, par contre, c'est pas souvent et c'est vrai que ben bah, quand on arrive sur ça et qu'on voit ça, c'est plutôt plutôt cool. Donc je suis tout abasourdi que ça arrive en vidéo, donc c'est vrai que c'est cool. Donc voilà. Bon ben, bah, je pensais faire une autre game, mais bon, au moins. J'aurais découvert un peu des zones. Bon, je vais continuer moi de mon côté. Mais j'espère. Vous me direz en commentaire comment vous trouvez la zone. Pour ceux qui jouent. Puis ben. Normalement, cette vidéo sortira vers 17h30, 18h. Et le lendemain, vous aurez du Warlong. Qui fait que. Ben, on se bat contre le boss. Donc voilà. Allez, peace les gens, c'était Drac Survie.